Tu t'en vas avec tes parents dans 2 semaines, on a fait à peu près 25 heures de conduite et là ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va tester le véhicule boîte automatique. À 16 ans, Nathan vient de débuter la conduite accompagnée et pourra peut-être passer son permis de conduire dès 17 ans et demi. C'est l'une des propositions examinées par le Conseil national de la sécurité routière. Une proposition, parmi d'autres, visant toutes à engager une véritable petite révolution dans l'apprentissage de la conduite. Il est temps d'initier des vrais changements dans la profession et emmener qualitativement un vrai travail au-delà de la compétence technique de conducteur, aller sur quelque chose où on va essayer de faire partager aux jeunes une perception sécurité routière beaucoup plus fine. On va aller tout droit. C'est aussi pour cela que, autre proposition, les élèves de seconde pourraient suivre des cours de sécurité routière sanctionnés par une attestation. Et puis si l'apprentissage technique de la conduite restera évidemment au cœur de la formation, de plus en plus le comportement des jeunes sera étudié. Dis-moi, explique-moi l'intérêt primordial du port de la ceinture à l'arrière. Il y en a deux. Pour ne pas être éjecté à l'avant. Pour ne pas être éjecté parce qu'on sait qu'il va être tué au-delà d'un choc à 50 km/h, il va être tué immédiatement. Là, on est vraiment sur l'avenir de la profession. Au-delà d'enseigner que la ceinture est obligatoire pour des raisons réglementaires, il va falloir qu'on ait de vrais échanges avec nos élèves dans le cadre de cours obligatoires. Ça va être la révolution 1er juillet. On aura des cours obligatoires où un élève devrait être capable de nous expliquer pourquoi il fait les choses. La conduite accompagnée accessible dès 15 ans pour un permis dès 17 ans et demi, une sensibilisation toujours plus importante à la sécurité routière, des pistes de réflexion qui vont dans le sens d'une évolution de l'apprentissage de la conduite, apprentissage qui doit se faire plus simplement et surtout de manière plus accessible.